Hop, speedrun, on se cherche pas midi à 14h. Donc, il lui faut une télé, un micro, un miroir. Télé, micro, miroir. Ouais, on peut partir sur une habitation, on va dire, habituelle. Allez, c'est parti. On va le faire habiter comme les autres. Alors, comme d'hab, le semblant de maison 6. Ah oh merde, j'ai pas pris le bon. Sur 3. La petite porte. Un îlot. Frigo. Micro-ondes. Micro-ondes, en fait, je sais pas si c'est vraiment le bon plan, hein, parce que au niveau du gain de temps, on n'est pas top top, quoi. Douche. Hop. Ensuite, le pieu, celui-là, il leur convient. Merci à toi pour le follow, Gloobs. Sois le bienvenu. Hop, et on a dit du coup micro. On va le mettre là. Hop, micro, micro, télé, salle de bain, miroir. On va lui foutre celui-là. Et on va mettre un lavabo pour la bouffe. Hop, s'entraîner à chanter, raconter des blagues. Hop là, c'est parti. Comédie, s'entraîner à faire un discours, se motiver, essayer des tenues. Non, ça, ça va être le charisme en fait. On regardera de temps en temps, mais je crois que ce sera le charisme. Bienvenue aux personnes qui arrivent. Hein. Kéliane. Alors, désolé, je vais pas dire ton pseudo en entier parce que je le vois pas en entier. Je vais peut-être le voir là, ton pseudo en entier. Peut-être. Si Twitch est gentil, il va me le donner. La cruchade de Bordeaux. Bienvenue à toi. Samira, salut. Salut, Shelva. Soyez les bienvenus. La cruchade de Bordeaux. Alors ça, c'est un pseudo. Acheter une fontaine à boissons. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Être malicieux. Ouais, on va te le garder tout à l'heure, on verra. Déjà niveau 3. Bah vas-y, hein, tout le temps que tu veux faire ton truc. Hein. Bon, ça va, ça me pose pas de problème. Hein. Ah, à un moment, tu vas te faire dessus, mais au pire. Ah, ça y est, quand même. J'aime bien le soulagement, quoi. Bien, il aurait fallu que tu manges maintenant. C'est pas grave. Ta-ta-ta. Lui, je l'aime bien, ce perso. Franchement, c'est un bon. Je l'ai pas à chaque fois. J'arrive pas à l'avoir à chaque essai, mais franchement. Avec lui, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à avoir des bons temps.
faudrait limite à chaque fois que je m'amuse à. Si je l'ai pas à annuler mon truc, refaire à chaque fois une nouvelle partie pour l'avoir quoi. C'est limite je ferais ça. Parce que j'arrive vraiment à avoir de bonnes performances avec lui. C'est un challenge, si oui, il consiste en quoi? Alors, c'est un speedrun. Donc, le speedrun, en fait, tu fais. Ça dépend des jeux. Hein. Mais là, tout de suite, par exemple, je prends chaque compétence des Sims. Et le but, c'est que j'arrive du niveau 0 au niveau 10 en un minimum de temps. Avec les péripéties qui vont avec. Parce que bah, les personnes qui me suivent là, depuis le début des speedruns sur les Sims, ils peuvent vous en dire. Et le but c'est ça, ouais, c'est d'avoir le minimum de temps, un minimum de temps la compétence. Donc il y a certaines catégories qui ont déjà été faites en speedrun, donc du coup ça nous donne une base de temps. Mais tu en as certains qui n'ont pas du tout été faits, donc bah, c'est nous qui allons faire le temps. Une bonne base, c'est sous les 30 minutes. On peut dire que le truc est bon. Après, il y a certaines compétences qui sont un petit peu plus longues. Comme le sport, j'avais mis 41 minutes. Donc c'est mon temps qui est en base. Hein. Je l'ai envoyé en validation, ils me l'ont validé. Merci pour le follow, Timomo666. Bienvenue à toi. Donc là, pour l'instant, on a envoyé en validation 4 temps qui ont été validés ce matin. Donc c'est, je suis assez contente. En plus, les 4 temps première place. Donc c'est cool. De ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait la fuséologie qui va nous permettre de prendre la première place. Parce qu'on a fait 30 minutes et le meilleur temps était à 33 minutes. Donc on est vraiment pas mal. On a fait quoi? On a fait la pêche où on a le troisième temps, donc je l'enverrai en validation aussi, parce que 27 minutes on est vraiment bien aussi, je trouve. Hein. Où lui le meilleur temps était à 24. Donc, le fait d'envoyer et d'être validé pour les speedruns nous empêche pas de retenter et de redemander une nouvelle validation. Donc il y en a certains. Je vais les envoyer en validation tranquillement et quand les temps seront battus, bah, je les retenterai. Donc il y a concernant les Sims, hein, il y a chaque compétence, donc de 0 à 10 en un meilleur temps. On a protection de l'enfance. Donc là le but, c'est on fait un perso, on fait en sorte qu'elle soit amoureuse, qu'elle tombe enceinte et qu'elle se fasse retirer l'enfant, tout bêtement. Que elle ou il, hein, après on peut faire un homme. Hein. Donc là le meilleur temps il est de 12 minutes. On a un speedrun marié bébé qui a été fait en 14 minutes. Donc bah là c'est pas bête, hein, c'est voilà, on fait un couple, on fait en sorte qu'ils se marient, qu'ils aient un bébé. Une fois que le bébé est né, on arrête le chrono. Fiançailles. Pareil, le même système, on crée un couple, dès qu'il se fiance, enfin, dès que le fiançailles a la demande de fiançailles est acceptée, j'ai du mal, est acceptée par un des deux, on arrête le chrono. Souhait à vie qui a été fait en 26 secondes, moi pour l'instant je le fais en 31, ce qui m'énerve un petit peu, je vous avoue, parce que le faire en 31 alors que tout à l'heure j'aurais pu le faire en 23. Mais comme je faisais pas le speedrun en lui-même, je l'ai pas enregistré. Et on a aussi le fait d'avoir un emploi max. Donc arriver au plus haut de la carrière en un minimum de temps. Donc ceux-là, ils sont pas faits encore. Je pense qu'on va s'amuser à les faire. Pour l'instant, on fait que les compétences. Et moi, j'ai des idées pour leur en proposer d'autres. Donc, on va voir s'il les accepte et s'il les rajoute. Là, on est mal, là, quand même, non? Pendant qu'il va prendre sa douche, on est à combien? On est à 100. On peut pas lui acheter.
On peut leur acheter des potions. C'est pas du tout interdit dans le sens où les potions font partie du jeu. C'est pas considéré comme le fait de tricher. Par contre, tous les codes, n'importe quel code, eux sont considérés comme triche. Donc sont bien sûr interdits. Il n'y en a qu'un que j'ai utilisé, mais tout à l'heure, c'est le Motherlode, mais il a été utilisé avant de faire le speedrun. C'est juste pour préparer, en fait, pour installer le truc. Donc, si je me rappelle bien, j'avais sauvegardé la partie, donc on retournera dessus et on essaiera de le refaire. Et celui-là concerne le souhait à vie, ou le sou on prend une des aspirations. Donc là, en l'occurrence, je lui ai pris As des blagues pour l'aider dans la comédie, mais bon, je pense pas que ça l'aidera trop. Et dans celui que je fais pour souhait à vie, je prends As de la fortune, si je me trompe pas, enfin le truc sur la fortune. Hop, on va changer vite fait pendant qu'il cause. Baron de l'immobilier. Voilà, je lui prends celui-là. Mais il faut préparer Baron de l'immobilier. On ne peut pas le faire comme ça avec l'installation de base des Sims. Donc on ira le faire tout à l'heure, ça vous permettra de voir. On est niveau 5 en 11 minutes. Moi, je trouve qu'on n'est pas si mal. Je sais pas s'il a regardé la chaîne Humour. Je sais pas si ça va beaucoup lui, vaut beaucoup l'aider. On va voir ça quand il sera niveau 6. On va lui arrêter le micro pour qu'il regarde la chaîne. On va voir si ça lui monte facilement ou pas. Ouais, ça monte pas énorme, hein. Je pense qu'il va monter beaucoup plus vite ici, hein, avec le micro. Ouais, il monte quand même beaucoup plus vite avec le micro, donc on va lui laisser le micro. Faire grimace, essayer de se calmer. Les tenues, refaire une beauté, se motiver. Ouais, donc le miroir, c'est plus pour les charismes. Ouf. Utiliser. Hygiène, pour l'instant, on va tenter juste de laver les mains et les dents. Dormir, pour l'instant, il n'a pas besoin. Ouais, alors j'adore parce qu'il se brosse toujours les dents, il se lave toujours les mains avant de manger, quoi. Ouais, on est pas mal. Parce que l'énergie, on n'est pas trop bas. On a quoi d'autre pour les compétences? Parce qu'en fait, on les a pas toutes là. On a la danse, pâtisserie c'est sur 5, photographie sur 5. La danse, je sais plus si c'est sur 5 ou sur 10. C'est ça que j'entends en fait, c'est quand il tape son micro. J'étais là depuis tout à l'heure, j'entends un bruit dans mon casque, je comprends pas ce que c'est. C'est en fait quand il tape son micro.
Je sais pas comment il y arrive, hein, mine de rien, parce que bon, on le voit pas là, mais il est quand même face à un mur, hein. Puis un mur vraiment pas beau, quoi. Est-ce qu'on le fait manger avant de dormir? On va le faire dormir maintenant. S'il arrive à aller jusqu'au niveau 7, ce serait vraiment bien. Ça lui refait le total en se levant. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à passer son niveau 7? Je pense pas. Aïe, il va pas finir. Allez, fais-moi mentir. Voilà, va à 100%, fais-moi mentir, vas-y. Hop, va au pieu. Réussi. Manger. Prendre une douche. Hop. Ah, t'as oublié une étape de la table de manger et la douche, garçon. Je t'en veux pas, hein. Mais t'es si pressé que ça? Allez hop. Me fais pas un coup foireux là. Je dis du bien de toi depuis tout à l'heure. Alors, fais pas mentir, hein. Fais-moi mentir sur les levels. Pas de soucis. Faire un sketch, c'est quoi ça? C'est la compétence. Les sketchs doivent être écrits sur l'ordinateur avant de pouvoir être joués. D'accord. Alors, il y a un truc qui va vraiment être pas mal aussi. Je vais le proposer pour les speedruns. Parce que ça n'a pas encore été proposé. C'est qu'en fait, on fasse toutes les compétences les unes après les autres. Alors, ça va demander du temps. Ça va pas se faire en une heure. Par contre, ce qui va être drôle, c'est que, sans le savoir, on va travailler en faisant une compétence, on va en faire d'autres. Donc ça peut être très drôle au final. Comme quand on joue normalement, en fait, hein, on fait un métier. Ben, le métier, on peut valider un point de comédie en validant trois de cuisine, en faisant du bricolage de temps en temps. Donc celui-là, je vais le proposer. On va voir s'il l'accepte. Il peut être vraiment sympa à faire. Après, c'est au choix de chacun. Soit ils font chaque compétence les unes après les autres, soit ils les font toutes en même temps en faisant leur partie, quoi. Moi, j'aurais tendance à faire certaines compétences au niveau 10 en premier, pour ensuite les faire, on va dire, un petit peu dans le désordre. Comme par exemple la cuisine. Cuisine améliorée, celle-là, il faut taper dans le niveau 10 direct, dès le départ. Au moins la cuisine. Par contre, ce qui est drôle derrière, c'est que voilà, la cuisine, quand nous, on l'a fait l'autre jour, on l'a recommencé 4 ou 5 fois, parce que bah, t'as le risque d'incendie. C'est pour ça qu'on a un micro-ondes maintenant. C'est pour éviter ce risque, enfin, le diminuer au maximum. Parce que le temps qu'ils sortent, parce qu'ils ont peur du feu, qu'ils acceptent d'éteindre l'incendie, c'est une perte de temps mémorable. On l'a fait d'ailleurs, on l'a eu à Mixology l'autre jour, où il nous a fait une boisson et ça a foutu le feu. Par chance, il a réussi à l'éteindre tout seul, donc on n'a pas été obligé de recommencer, parce que ça nous a quand même permis d'avoir un bon chrono, mais c'est vraiment le truc au secours, quoi. Oh là, on va faire pipi avant de dormir, garçon. Et là, on est combien? Niveau 7, bientôt 8. Hop. S'entraîner.
Est-ce que tu aurais par hasard... Non, toujours pas. T'es pas gentil, hein. Celle qui était juste avant toi, on a pu acheter trois potions. T'es pas cool. Mais il a déjà faim. Parce que là, en plus, ce que je propose, le fait de plusieurs compétences à la suite, hein, c'est que là, on lui a mis un miroir. Parce que je pensais que le miroir pourrait l'aider côté comédie, mais en fait, non. Ça concerne vraiment que le charisme. Mais voilà, par exemple, il finit la comédie, hop, il va sur le miroir, il tape le com, il tape sur le charisme. Ça peut être vraiment pas mal. Alors, t'es comment là? Est-ce que tu peux attendre un peu ou pas? La télé, du coup, on n'a pas besoin pour la comédie. Parce qu'ils montent vraiment pas vite avec. Non, allez, je vais pas être méchante avec toi, va. Allez, va manger. Je vais pas être méchante. Tu passeras aux toilettes au passage. Hein. Et me fais pas le coup fort d'annuler ce que je te demande. Ah, cool. J'aime bien comment ils dandinent, sur les toilettes, quoi. Pour l'instant, et la comédie elle était en 25. Ouais, on le fera pas en, on le fera pas en 24, on le fera pas en 25. Le deuxième temps il était à combien? 38. Ouais, donc je pense qu'on le fera en 38. Je pense, enfin en moins de 38. Si on le fait en 38, parti comme là, c'est qu'il s'est vraiment passé un truc quoi. Non, pas mal. Non. Pourquoi t'es fatigué? T'es pas gentil. Du coup, comme je sais que tu vas aller dormir, tu vas avoir envie de manger, d'aller aux toilettes. Voilà, est-ce que je te connais, garçon? Elle va au moins jusqu'à 50% parce que je pense que tu n'iras pas beaucoup, beaucoup plus loin. On va tester, mais je pense pas. Va à 50%, s'il te plaît. On a l'impression en fait qu'il est sur. Qui nous a foutu une cassette enregistrée parce que quand on écoute il dit enfin il dit les mêmes mots, c'est fou quoi. Merci pour le follow Rémi Noy, bienvenue à toi. Hop, voilà, il va manger, il va aller aux toilettes. Se laver les mains, se laver les dents, et hop, on va reprendre. On n'a pas besoin de prendre une douche, quoique si, on va peut-être avoir besoin en fait. Non, c'est bon. Mais il n'a pas été aux toilettes, ce con. On lui a demandé d'y aller pourtant. Hein. Bah oui, garçon, tu crois quoi? Mais t'es pas ticon, tiens.
Ah, mais il nous avait fait presque hein, 50%, hein, comme demandé, hein. On est bien. Est-ce que... Non, t'as toujours pas les 500 points. Non, 325. On s'en approche, mais c'est pas ça. Ça aurait été bien une petite potion pour le dernier, mais pas tout avoir. Améliorer sa compétence, ouais. Regarder la chaîne humour. Ah, bah tu veux regarder la chaîne humour, viens. Fais-toi plaisir, hein, pas de soucis. Tu me ramènes combien de points? 25? Ouais, c'est pas BZF par contre. Hein. Allez, passe au 9 et je te fais ça. Donc là, ça va nous faire 425, 450. Ah, on n'aura même pas la potion. Ah, cette poisse. On pourra même pas lui prendre la potion, quoi. La potion annulation d'état d'esprit là, elle est vraiment géniale pour le dernier niveau. Le tout est de pouvoir lui prendre. Hop, regarde la chaîne. S'entraîner à faire un sketch. Non, tu peux pas. Écrire des blagues, tu peux pas. Écrire des blagues, je t'ai dit. Merci Stéphif. Merci Stéphif pour le follow. Bienvenue à toi. Faire un sketch, tu peux pas faire le sketch parce qu'il te faut un PC. Tu n'auras pas de PC. Chaîne communautaire, hein. Ça peut te faire ramener des points, vas-y. Hein. On va prendre quelques secondes. De toute façon, on n'est pas premier donc. Raconter une blague, non. Mais non, il nous manque 25 points. Oh, purée, j'y crois pas. Tu proposes quoi, là? Rencontrer une nouvelle personne. Une personne quasi qui vient chez toi. Raconter une blague. Est-ce que tu peux te raconter une blague? Non, tu peux pas te raconter une blague. C'est pas drôle. Oh, cette poisse à 25 points, quoi. Si, c'est bon, on les a. Ok, cool. Alors, annulateur d'état d'esprit, oui. Boire. Vas-y, garçon. Merci. Allez, file. Mais tu vas finir là, oui. Normalement, on va peut-être pas faire tout le niveau 9 grâce à la potion. Mais je pense qu'on va réussir quand même à faire un meilleur temps grâce à la potion. On va voir. Du coup, celui d'après... dites-moi dans le chat, est-ce qu'on fait une amélioration des temps déjà faits ou est-ce qu'on part sur protection de l'enfance, marié bébé, fiancé, souhait à vie, emploi max? Parce que là, au niveau des compétences, on ne prendra pas en compte ceux qui ont déjà été donnés en validation et par chance validés. On prendra seulement ceux où il nous faut vraiment un meilleur temps pour l'envoyer en validation. Donc du coup, on retire de la liste jeux vidéo, sport, guitare, mixologie qui ont été validés ce matin.
On va retirer aussi fuséologie, pêche, qu'on a fait tout à l'heure, qu'on va envoyer en validation. Donc fuséologie, on sera validé, je pense, pour la première place. Pêche, on sera validé pour la troisième place. Donc dites-moi, laissez-moi un petit mot dans le chat pour me dire amélioration ou alors on continue sur les autres. Salut Altazi, tu vas bien? On a encore 40%, aïe. On a encore 40% du niveau pour choisir ce qu'on va faire. Quoique 40%, ouais, si on va peut-être réussir à le finir sans qu'il ait besoin de s'arrêter pour manger. Je pense. Si on a de la chance. On va croiser. Ah, Vessi qui vient s'en mêler, donc non, c'est mort. C'est mort. Il va falloir qu'on perde du temps à ce qu'ils aillent aux toilettes, qu'ils mangent pour finir. Donc là, la potion, en fait, je l'ai donnée trop tôt. Il aurait fallu que j'attende encore un peu. Ouais, allez. Tant pis, on va perdre quelques secondes, mais au moins ça se sera fait. Ah, ce qui me mettrait vraiment. Ce qui me ferait chier, c'est que là, par contre, il demande à dormir juste avant, quoi. Ouais, 88%, ouais, ce serait vraiment dommage. Quoique là, je pourrais lui demander de regarder la chaîne Humour, hein. Ça lui ferait monter quelques points, non? Normalement. Me fais pas le coup, garçon, de vouloir dormir avant, quoi. Je l'aurais vraiment mauvaise, là. Ouais, normalement, si, c'est bon, ça devrait le faire. Alors, hop, on enlève le son du jeu, comme ça on pourra stopper le chrono. Ah non, j'ai le même bug que tout à l'heure, mais non! Enfin, c'est pas vraiment un bug, mais fait chier quoi. Je savais qu'il me ferait ça. Purée. Ah, oh, c'est